Et bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui un nouveau vlog. Nous sommes à Saint-Goustan à Auray. Voilà, donc un lieu magnifique avec son petit château en ruine et son petit fleuve. Voilà, donc c'est magnifique. On voit le pont et le château juste derrière qui a été détruit justement. Donc ça, je vais vous expliquer ça en détail. Du coup, les premières pierres de ce pont-là, ça a été construit, ça a commencé à construire au 13e siècle. Donc ça date, hein. Et son château, on verra ça, on va monter dessus. C'est un château en ruine. Donc voilà, le château qui est juste derrière moi, normalement, on voit, voilà, juste là. Donc voilà, donc on va aller tout de suite visiter tout ça avec le port. Le port qui est beau, qui... voilà. Du coup là je suis sur le pont, donc il était attesté au 18e siècle, voilà. Et je suis en face du château où il a été détruit, donc on va aller monter en haut, tout en haut, et après on va faire une promenade sur le port, etc. Voilà. Donc là on voit le port avec son pont, son petit pont. C'est vraiment magnifique comme lieu. Voilà, vraiment vraiment magnifique. En plus on a de la chance, il fait super beau. Et donc là on va monter sur le fort qui a été détruit. Donc je vais vous expliquer ça, pourquoi ça a été détruit. On monte en haut, tout en haut. Allez, c'est parti. Donc là on est en train de monter. Vous voyez, c'est vraiment raide. Allez. C'est vraiment raide à monter sur le fort. Ils ont mis un petit chemin, c'est bien. Et en allant en haut, on arrive à Auray. Voilà. Mais c'est vraiment magnifique comme lieu. Allez. Par contre, c'est très dur. Avec le chien, j'arrive pas à marcher avec la caméra et le chien en même temps. Mais bon, ça lui fait promener un peu. Allez, c'est parti, on monte. Allez, allez, ouais, je suis obligé. Allez, viens. Voilà, on est en train de monter. C'est un peu... ça fait du sport. Du sport, du sport. Ah, en plus, on a de la chance. Il fait vraiment, vraiment très, très beau. Ah, regardez ça derrière moi. C'est magnifique, non? C'est un lieu à visiter. Donc, je vous conseille de venir. En plus de ça, il y a des magasins de souvenirs, il y a de tout, des restaurants, vous pouvez marcher, voilà, il y a du randonnée à faire ici, du bon rando. Allez, on monte, c'est du sport. Allez, oh, ça monte, regardez ça, ça monte, ça monte.
Désolé si ça tremble, il y a le chien qui me tire. Ah. Oh bah, il a trouvé un bâton, regardez. Prends le bâton, Pixel. Prends le bâton. Allez, là. Là, allez. Oh là là. Allez, Pixel. Allez, prends le bâton. C'est bien, mon chien. Regardez ça, la vue d'en haut. C'est magnifique. Magnifique, oh. Comme je dis souvent. Il y a des points de vue. Au milieu de ça, ils ont mis des bancs pour vous poser là, devant le pont. Désolé si ça tremble. Moi, je suis désolé, mais le chien, il tire, mais à fond. Regardez ça. Comment c'est magnifique d'en haut. Avec le port. Allez, on continue à monter. On va aller jusqu'à là. Donc, pour la petite histoire de ce fort, il devait s'agir que d'un donjon qui domine la rivière. Voilà, qui domine la rivière. Et du coup, comment il s'appelle, Henri, duc de Bretagne, a décidé d'être que ça soit plus imposant. Ce fort là a été détruit plusieurs fois, hein, pendant la guerre. Mais franchement, pendant la guerre, franchement, il y a quoi faire. Ils pouvaient voir ce qu'ils arrivaient. Voilà. Et donc Henri II, roi de France, a décidé de détruire ce fort. Voilà, ils disent pas pourquoi d'ailleurs. Et oui, et du coup son emplacement, ses douves et ses matériaux ont été vendus. Par contre, ils disent pas combien ils ont vendu le tout, mais voilà, ils ont été vendus aux enchères. Et là, bah, tout le château qui est là. Vous pouvez vous promener là tout au long. Je pense qu'il doit avoir des vues. Bon, on va y aller quand même voir. Allez, c'est parti. Encore une magnifique vue sur la vue du pont. Et là, nous sommes sur le fort. Hein. Regardez bien avec les pierres, etc. Donc, il y a plusieurs points de vue comme ça tout le long. Et franchement, quand il y a eu la guerre, ils étaient bien protégés. Évidemment, il n'y avait pas toutes ces maisons et tout, hein, donc ils voyaient vraiment au loin. Regardez comment c'est haut. Vraiment, on est... Il n'y a rien qui protège, rien. Et là, on est en train de longer le fort. Et ouais, c'est vraiment très très haut. Là, on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment très haut. Allez, on continue. Alors, encore un autre point de vue. Regardez ça. Par contre, avec les arbres, on voit pas très bien. Donc là, nous sommes derrière le fort. Et bah, vous voyez hein, les points de vue qu'il y a. Donc... là, il protégeait un peu le fort. Il protégeait le fort. Voilà, comme ça, il vérifiait s'il n'y avait pas d'ennemis qui arrivaient. C'est vraiment impressionnant. Donc là, nous sommes sur le port. Voilà. Là, ça y est, je suis descendu du fort qui est derrière moi. D'ailleurs, je viens de voir un truc. Mais derrière... Il devait avoir des portes en dessous, il devait avoir des choses cachées en dessous fort. Je sais pas si vous voyez. Il y a un fort là. Vous
voyez là, ici là. Voilà. Et là, il y a une petite porte qui est évidemment condamnée. Il devait avoir des trucs en sous fort. Voilà, vous voyez mieux là? Voilà. Et là, je pense qu'il devait avoir un truc en dessous. De toute façon, dans les forts, il y a beaucoup de choses cachées, évidemment. C'est magnifique. Hein. Ouais, je me souvenais pas, mais c'est les vacances scolaires en Bretagne, donc il y a beaucoup de monde quand même, donc c'est très compliqué de filmer. Et donc là, nous arrivons vraiment au port. Permis de bateau, on peut faire du bateau. Voilà. Et une petite histoire, il y a Benjamin Franklin, hein, que vous connaissez, a débarqué ici à Auray. À Auray, voilà. Il a été envoyé par les Américains. Petite histoire comme ça, hein, rapide. Ouais. Donc là, je me promène un peu dans les petites rues. Et franchement, c'est étroit et je suis en train de descendre. Je suis vraiment en train de descendre. Et je sais pas où je suis au fait. Je suis perdu là, dans les petites ruelles. Et même des petits restaurants. Oh. Des petits restaurants dans ces petites ruelles. Non. Allez, un petit restaurant là. Là, juste derrière moi. Sérieux. Oh là là. C'est quoi ces petites rues? Crêperie en plus. C'est une crêperie. Bon, allez, on descend. Oh là là. Ça descend, ça descend. Allez, à tout. Bon voilà, je pense que j'ai terminé là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez un max de likes, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, tchuss !